Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau Trait Daniel Live. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors ce soir, on a un thème encore très intéressant puisque nous allons parler des sagesses et des visions d'un natif américain. Donc qui est le livre Sun Dancer écrit par Claire Barré et dont elle retrace le récit d'Ernie Lapointe qui est l'arrière-petit-fils du grand chef Lakota Sitting Bull. Alors il nous fait la présence exceptionnelle ce soir d'être parmi nous. On a vraiment beaucoup de chance. Donc, vraiment, internautes, je vous encourage à poser toutes les questions que vous avez envie de poser à Ernie et à Claire. Profitez-en, puisque bah, ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir Ernie Lapointe en interview. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager vos questions et à poser toutes les questions que vous avez envie. Voilà, alors tout de suite, on va recevoir donc ces deux invités. Alors, Claire Barré, eh bien, elle est romancière, auteure et puis scénariste aussi. Et puis, bah, un beau jour, elle a eu une apparition dans sa cuisine parisienne. Et puis, elle a eu l'apparition de Sitting Bull. Et puis, en faisant ses recherches, en faisant un petit peu bah, l'historique de tout ça, et eh bien après, elle s'est rapprochée d'Ernie Lapointe et est née du coup une très belle amitié. Et puis, bah, ce beau projet de Sun Dancer qui retrace donc la vie d'Ernie. Alors, bah, tout de suite, sans plus attendre, on va les accueillir. Ernie et Claire, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Bonsoir Claire. Hello Ernie. Hello. Welcome to this live. It's an honor to welcome you. Thank you for your participation. Voilà, donc après, moi, je vais m'arrêter là en anglais. Et puis, je laisserai Claire traduire les dires d'Ernie. Alors, bah, écoutez, on va commencer tout de suite par la première question. Comment est née cette rencontre? Parce que du coup, sur le papier, au début, on se dit, vous n'avez peut-être rien en commun. Et puis, bah, à un moment donné, il y a quand même eu cette belle rencontre. Alors, comment vous êtes rencontrés et comment est né ce beau projet de ce livre? Alors moi déjà, je peux peut-être répondre un peu rapidement en français. Donc en effet, ce que vous racontiez tout à l'heure sur cette, j'ai suivi ma vision. Donc j'ai vu apparaître Sitting Bull. J'ai essayé de comprendre qui était cet homme. J'ai découvert qu'il avait un arrière-petit-fils encore vivant. Je l'ai contacté. C'est Ernie donc. On s'est rencontrés à l'époque. Il m'a invité à venir le rejoindre dans le Dakota du Sud. C'était en 2015 que j'ai été là-bas. On est restés amis depuis, on s'est vus plusieurs fois. J'ai pu trouver un éditeur français pour son livre il y a 2 ans qu'il avait écrit sur son arrière-grand-père, Sitting Bull, His Life and Legacy, qui du coup est sorti il y a 2 ans chez Flammarion. On a fait une tournée ensemble de signatures. Et là, donc, on a eu envie d'écrire ce livre qui est autour, enfin voilà, de plus de la vie d'Ernie, de ses visions. Mais je vais peut-être lui retraduire et lui proposer de dire quelque chose Oui, aussi. So, allez-y. Ernie, yes, she wanted to know, well, how we met. I kind of told her already. And why did you want to write this book? Okay, well, you already remember, right? I think it was 2014 when we met, right? Back then. Exactly. And, but, This book. This book was, well, actually it was prophecies, or you might say visions. And I've been having them a long time. I mean, I just didn't pay, never paid attention to them, kind of ignored them, tried to walk away from them. But eventually, I was going through ceremonies, and through ceremonies, they told me to that I had to share these messages to the world. Yeah. Ce livre, c'est quand même avant tout aussi un livre où il a voulu partager des visions et comme un peu des espèces de prophéties qu'il a reçues il y a parfois très longtemps, il y a parfois 20 ou 25 ans, au cours de cérémonies sacrées, Lakota. Longtemps, en fait, il n'a pas forcément ignoré exactement tous ces messages ou toutes ces visions, mais il les gardait pour lui. Et au cours de nouvelles cérémonies, les esprits lui ont demandé, les esprits des ancêtres lui ont demandé de partager ses visions avec le monde. D'accord. Et alors peut-être pour qu'on resitue un petit peu pour les gens qui connaissent pas trop, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette communauté Lakota, de cette spiritualité, et puis bah, de votre arrière-grand-père Sitting Bull,
qui il était et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour les natifs américains. D'ailleurs, juste Claire, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pourquoi on dit natif américain et pas indien d'Amérique ou amérindien? Pour vous, c'est important de faire cette différence-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors c'est important parce que bon, indien, en fait, tout ça vient d'une erreur de Christophe Colomb qui croyait rejoindre les Indes orientales. Et du coup, il a appelé les autochtones, donc les natifs de ce que les Lakota appellent l'île de la tortue, des Indiens. Et après, souvent, c'est parfois devenir amérindien. Mais même dans amérindien, il y a encore indien. Donc, voilà, les mots ont une importance. Et donc, c'est plus important, je crois, aujourd'hui, de les appeler les natifs ou les autochtones, ou enfin, en tout cas, de leur redonner, c'est des peuples premiers, en fait, les peuples racines, et de leur redonner aussi leur véritable identité. En fait, Ernie, c'est un Lakota. C'est pas un Indien, ou c'est pas, voilà, c'est un Lakota, c'est le nom de son peuple, c'est le nom de sa tribu. Alors, rappelez-moi votre question. Alors, du coup, la question, c'était est-ce qu'il peut nous parler un petit peu de la spiritualité Lakota, de la culture Lakota et de son arrière-grand-père Sitting Bull, pour resituer pour les gens qui ne connaissent pas trop. Bien sûr. So, Ernie, she would like you to talk a little bit, if you can, about the Lakota, maybe the Lakota way of life, maybe the spirituality of the Lakota too, and say a little word maybe also for the people who may not know him, about your grandfather, about Sitting Bull. So spirituality, Lakota, and maybe a little bit about your grandfather. Thank you. Okay, the Lakota lived a spiritual way of life. It's not a religion, it's a way of life. And this is how my ancestor lived. And he lived what I call the sacred rules of the sacred pipe. It's unwritten rules, but they come from the ceremonies. You know, when you you have to be humble. You can't live in the fast lane to understand the spirituality, the messages that come from the spirit world. Through this pipe, you get these messages, but you have to be humble enough to understand it, and you have to also try to learn and understand the Lakota language, because when the messages that come from you with this pipe are spoken to you in Lakota. So this is the difference between some of these people who claim to be medicine people or spiritual leaders, and they don't speak Lakota. And I always wonder how they communicate, you know, because the spirits that speak with me, they don't tell me that they speak English. They said they don't want to learn it because it's a backwards language. So what I mean by backwards language is one word has too many meanings, a sentence could have many meanings. So when you're trying to tell somebody something, you know, you lose the point. OK, merci. Thank you. Donc, en fait, les Lakota, et particulièrement donc son ancêtre, Sitting Bull, menaient et mènent encore, pour ceux qui sont encore connectés à tout ça, une vie spirituelle. Alors, la spiritualité, ce n'est pas du tout la religion. C'est quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas figé, qui n'est pas écrit dans des livres. C'est une spiritualité vivante dans laquelle, grâce à la pipe sacrée, la chanupa, on va pouvoir communiquer avec les esprits des ancêtres et recevoir des messages. Et vivre cette vie spirituelle, la vie spirituelle des Lakota, justement, c'est de respecter les règles de cette pipe sacrée, ces règles non écrites. Et pour pouvoir recevoir ces messages, il faut avoir beaucoup d'humilité, être humble pour pouvoir les comprendre et les recevoir. Il ne faut pas être tourné vers le passé, il faut être tourné au contraire vers l'avenir. La pipe transmet ses messages et lui dit que les messages qu'il reçoit des esprits sont toujours en Lakota, c'est-à-dire sa langue à lui, la langue que lui a appris sa mère. Et il dit que donc, quand on va aux États-Unis et qu'on rencontre des hommes médecine ou des femmes médecine qui ne parlent pas Lakota, quand ils le sont, lui, il ne comprend pas comment ils peuvent recevoir des messages parce que les esprits ne parlent pas l'anglais, parce qu'ils trouvent que l'anglais, c'est une langue inversée où un mot peut avoir plusieurs significations et donc être trompeur, alors qu'en Lakota, chaque mot a une racine et a un sens unique. Voilà. D'accord. Donc, c'est un bon moyen de savoir si on est face à un charlatan ou un vrai...
Voilà, permis, c'est un très bon filtre. D'accord. Ok. Et alors justement, Ernie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette, comment on peut appeler ça, de la chanupa, voilà, de ces visions. Comment vous rentrez-vous en vision? Comment ça se passe quand on reçoit ces visions? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Est-ce que faut être dans un endroit bien précis? Comment ça se présente? Okay, so she would like to know if you could tell us a bit more, if you want, about the chanupa, the sacred pipe, and also about the visions. How do you receive the visions? Where are you when you are connected to the spirits? Well, maybe talk us, you know, about ceremonies maybe, or about the chanupa, or about your spirituality and how the visions come to you. That would be very interesting for us to know. Thank you. Okay, the chanupa is, every culture has a way of communicating with the creator, with the great mystery. And our way is the gift of the pipe, the sacred chanupa. When we connect the stem to the pipe, it's like you activate it, you turn on the, it's like a communicator. And you put the tobacco in there, into the bowl, and then you speak directly from the heart. And from your, if you know your native language, you speak to the creator through that. And the creator answers you, but you have to give an offering besides the pipe. And once the offering is received by the spirits, then they give you a vision, not a vision, but a message. And my messages, my visions came from what we call the Humblecha, a vision quest, or what we call Sundance, which is the book is about. Through these ceremonies, the spirits tell us, those of us, certain messages of what we should do. And through the Sundances, where I was told during the Sundance that I have to share with the world what's coming from the future. So this is what this book is supposed to be basically about, is the future. So this is my way of trying, and the book has no ending. You know, it's going to be a continuing event until the great fourth purification comes. Excusez-moi. Donc la chanupa, donc c'est la pipe sacrée. Il nous explique en fait que chaque culture et chaque spiritualité, ou même chaque religion, pourquoi pas, a sa manière à elle de communiquer avec le grand mystère, le grand esprit, le sacré, le créateur, la créatrice. Allez savoir. Que donc les natifs appellent, les Lakota appellent Wakantanka, c'est-à-dire le mystère sacré, et qui d'ailleurs est neutre, c'est ni masculin ni féminin. Il explique donc qu'en effet, c'est la chanupa, et c'est au cours de cérémonie que cette chanupa, cette pipe, c'est vraiment elle qui permet à l'individu de communiquer avec le sacré. Le moment en fait où la tige de la pipe et le bol de la pipe, le bol représentant, je crois, le féminin, et la tige, le masculin, au moment où en fait on les lit, c'est comme s'il y avait une activation de la pipe sacrée, et après au moment où on met le tabac dedans, c'est là en fait qu'on peut commencer à prier, sachant qu'il faut vraiment parler avec son cœur, et si possible dans sa langue maternelle, parce que c'est la langue que comprennent nos esprits protecteurs. Et en fait après il reçoit des messages comme si le créateur, comme si Wakantanka te répondait. Et une fois qu'il te répond, il faut aussi faire des offrandes, parce que c'est toujours une spiritualité qui est autour de donner, de recevoir. Donc on reçoit un message, on offre du tabac. Il y a quelque chose autour de ça dans cette spiritualité qui fait qu'on est tous connectés. Et en fait, les esprits te donnent des messages. Et lui, en fait, les messages dont il parle dans ce livre, dans Sundancer, le livre qu'on est en train de présenter, sont des visions qui lui sont venues pour la plupart au cours de cérémonies sacrées. Donc, le Humblecha, qui est la quête de vision,
C'est comme ça, en tout cas, que nous, on l'appelle ici. Et en Lakota, ça veut dire pleurer toute la nuit en espérant recevoir une vision. Donc, c'est l'idée d'être comme ça, isolé sur une montagne ou sur une colline, en pleine nature, pendant normalement 4 jours et 4 nuits. Et c'est comme ça, justement, en ayant la pipe, que des visions et que des messages des esprits peuvent arriver, sachant qu'il y a bien sûr beaucoup de rituels dont d'ailleurs on parle dans le livre, en expliquant les sachets de tabac, les couleurs qu'il faut mettre et tout ça, la sauge bien sûr qui est toujours très importante. Et bien sûr, il a reçu aussi des visions au cours de Sundance. Donc la Sundance, c'est une cérémonie un peu sacrificielle où c'est souvent des hommes, en tout cas chez les Lakota, qui donnent leur sang, leur sueur et leurs larmes pour la survie de l'humanité, de la terre et de leur culture. Et c'est au cours, entre autres, d'une de ces Sundance que les esprits lui ont demandé de partager les visions qu'il avait reçues et qui viennent du futur. Et pour lui, en fait, pour Ernie, le livre n'a pas encore de fin. C'est un livre qui est comme en cours, puisque oui, dans ses visions, il parle d'une grande purification qui s'annonce, un peu comme si la terre avait besoin de se régénérer. Et voilà, donc le livre est aussi autour de ça, et c'est au cours d'une Sundance, de cette cérémonie, que ces visions-là et ces messages-là sont arrivés. D'accord. Alors justement, en parlant de Sundance, on a Arnoga qui pose une question et qui demande « Bonjour, que pense-t-il des Sundance faites en Europe ?» Ah, ok. So we have a question from someone who is watching the Facebook Live, and his question is, what do you feel about sun dances that are performed in Europe? How do you feel about that? Well, you know, this is one of the subjects that I was always talking about. You know, every nation around the world has their own way of communicating with this creator, with a great mystery. Right. And, you know, as I was telling you what this book is, you have to find who you are on the inside. You know, and it's very difficult for an older person to do this. You have to find yourself first and find your way of communicating. I understand the sacredness of our Sundance, but you cannot, there's certain protocols that associated with this ceremony. And them protocols have to be followed. You cannot change or you cannot do anything. And them protocols were given to us for this area. You know, and I mean, they're all over the world. Everybody wants to know. But it's difficult to really, you know, I mean, I'm neutral. I stand in the middle. You know, what you do and what you don't do, it's what your heart says or your soul carries you. But like I said, number one thing is you have to learn the Lakota language to be able to communicate with the spirits that give you the messages at a ceremony. Okay, thank you very much. So, donc en fait, pour lui, ça revient un peu à ce qu'il disait tout à l'heure sur l'idée que chaque spiritualité, chaque religion a ses propres moyens de communiquer avec les esprits ou avec le sacré, et que pour lui, malgré tout, à la base, c'est plus, les Sundance, entre autres, sont plutôt de la tradition des Lakota et les esprits leur ont plutôt donné à eux. C'est leur manière à eux, en fait, de communiquer avec le sacré. Pour lui, la première chose à faire, en fait, à partir du moment où on veut entrer sur un chemin spirituel, c'est d'essayer de comprendre. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois entrer à l'intérieur de toi-même, comprendre qui tu es et comprendre finalement quelle est la spiritualité, peut-être, qui va te permettre de recevoir des messages ou de recevoir, d'avancer sur ton chemin spirituel. Et c'est très important, en fait. C'est le premier chemin à faire, c'est un chemin à l'intérieur de soi. Et plus on a vieilli quelque part, et plus c'est difficile de faire ce chemin et de comprendre qui on est. Et voilà, pour lui, c'est très important. Et par rapport, en fait, à la... Et peut-être qu'en se connaissant, c'est comme ça qu'on trouve sa manière de communiquer. Pour lui, les Sundance sont quelque chose, bien entendu, de tout à fait sacré, qui sont en fait constitués de protocoles très précis que normalement on ne peut pas modifier en fait. Donc tout dépend de comment les Sundance sont arrivées en Europe, par qui elles ont été transmises, est-ce qu'elles ont été transmises avec les bons protocoles, et après voilà, est-ce que c'est lui il dit que
il est un peu neutre, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire c'est bien, c'est pas bien, il ne va pas vous dire ne faites pas de Sundance ou faites-en. La seule chose en fait qui est importante pour lui, c'est que ce soit juste pour vous, que les protocoles soient respectés parce qu'ils sont sacrés. Et voilà, et l'idée c'est bien sûr de suivre ton cœur, et si tu sens tout d'un coup qu'il y a une justesse, et ben dans ce cas-là, pourquoi pas bien sûr, mais il continue aussi à dire et à répéter que dans ce cas-là, il faudrait quand même apprendre le Lakota, parce que les esprits communiquent avec cette langue, mais je sais que c'est quelque chose dont on avait déjà discuté, malgré tout, il est possible, les esprits lisent le cœur en fait, donc à partir du moment où vous êtes sincère, et si vous êtes dans votre langue maternelle de manière très sincère, une communication peut avoir lieu avec les esprits Lakota, même si d'accord. Vous... voilà. Ok. Et alors du coup, dans le livre, hein, vous avez raconté à Claire donc votre histoire depuis votre enfance, hein, finalement tout ce qui vous a amené à être aujourd'hui. Enfin bon, ce n'est pas fini comme vous le disiez, Claire. Il y a un événement qui est important dans le livre, qui est donc lié à votre réveil, où c'est le moment où vous partez à la guerre, vous faites la guerre du Vietnam, et là vous avez un éveil qui vient à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, quel a été le moment déclencheur de cet éveil à ce moment-là? So Ernie, in that book, you told me about your life. It begins during your childhood with your mother in Pine Ridge, and then of course there is also an important event when you are in the Vietnam War. And you have some kind of awakening just before going back again, you know. Well, I think she would like you to tell us about that moment with the Vietnam officer, you know, who was a prisoner, probably. Yeah, I was, you know, I don't know if you wrote this in a book, but this is my version of what I was telling you is, you know, we're in Vietnam and there were captured 17 NVA soldiers, and they brought them to a camp to get them transported back to wherever they take the POWs. So while we were waiting for them, there was some group of interrogators came in to talk to them. And one of the interrogators came up and told me, he says, would you like to, he says, the POW, he's an officer, he said, he's a major in the NVA Army, he said, he would like to speak to you. And I was wondering, why does he want to speak to me? You know, I'm not an officer, I'm not any high ranking anything. And he says, well, I don't know, he says, but he says, this guy wants to ask you a question. And before he answers us, so I said, okay, he says, you don't, you know, address him as officer, you know, sir or anything, salute him. He's a POW. So I went in there and I asked him, what is it that you need? And he said, well, he spoke perfect English, you know. And he said he was, he lived in the U.S. for a little while. He says he got his degree from Brown University. And he said that he studied some parts of the Native American culture and history. He said it wasn't much, he said, but what he learned, he says, you know, he understood. And he asked me what tribe I was. And at that time, we couldn't say Lakota because nobody knew what that was. So I said, Sioux. And he said, man, that was a very noble tribe, he said. And then he says, my question to you, he says, is, he says, why are you in my country with the same army that came to your country and tried to destroy your culture and your way of life? And he says, you're over in my country with that same army trying to do the same thing, take away our culture and our way of life. Well, before I could say anything, the interrogator pushed me out the door. He said, okay, he said, you asked a question, he's going to have to answer you. And when I came out, I mean, this is his way of psychological warfare to me. He awakened something in me that made me realize that, you know, I was thinking about making a career out of the military, and that kind of shot down my career. So that was my understanding of an awakening. You know, I was only a young man, but I started to realize, you know, what I'm in right now. So, yeah.
Thank you, Ernie. Donc, en fait, Ernie, donc, il a quand même grandi dans une réserve indienne, on dit, hein, quand même, dans la fin des années 40, début des années 50, ouais. Avec sa mère, qui était femme de médecine, et avec son père. Il a été orphelin assez vite. Sa mère est morte quand il avait 10 ans, son père est mort quand il avait 17 ans, je crois. Il s'est retrouvé un peu seul, sans ressources. Et donc, assez naturellement, et comme beaucoup de jeunes natifs, il s'est engagé et il est parti quelques années plus tard au Vietnam. Donc, il était très jeune. Et en fait, pour eux, c'était assez noble d'être un guerrier puisque leurs ancêtres étaient des guerriers. Et on ne les voit jamais dans les films sur la guerre du Vietnam, mais en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de natifs. Okay. Et le fait est que, alors que ça faisait déjà un moment qu'il était au Vietnam, son unité a fait plusieurs prisonniers dans l'armée vietnamienne, donc ce n'était pas les Vietcong, c'était vraiment l'armée. Les prisonniers ont été amenés dans le camp, et donc Ernie et ses amis, qui n'étaient pas du tout dégradés, ils étaient simplement dégradés, ils étaient là tranquillement, et ils attendaient en fait pendant que les prisonniers de guerre se faisaient interroger. Et tout d'un coup, il y a un des hommes, donc un des militaires qui interrogeait les prisonniers, qui est venu voir Ernie et qui lui a dit « Un des prisonniers, c'est un officier, et en fait, il souhaite te parler à toi. Donc, bon, comme il a des droits, vu que c'est un prisonnier de guerre, tu viens dans le bunker, tu écoutes sa question, tu repars, surtout tu ne le salues pas comme si c'était un gradé, c'est juste un prisonnier. Donc, Ernie va là-bas, il va dans le bunker, il voit ce jeune officier qui avait l'air vraiment d'avoir quasiment... Enfin, qui semblait très, très jeune et qui parlait dans un anglais absolument parfait. Et l'officier, donc le prisonnier de guerre vietnamien, lui a expliqué qu'en fait, il avait fait une partie de ses études ou ses études à Brown University, aux États-Unis. Et que pendant qu'il était là-bas, il s'était beaucoup intéressé à la culture amérindienne, à la culture des natifs. Il avait lu un peu l'histoire américaine, voilà, et il s'était intéressé à ça. Et donc, il lui a demandé, et toi, tu es de quelle tribu ? Et donc, Ernie, à l'époque, en fait, on ne disait pas Lakota, c'est parce que personne ne savait ce que c'était. Donc, il lui a répondu, je fais partie de la tribu des Sioux, qui est le mot qu'on utilise et qui est un mot, encore une fois, qui est faux. Et donc, là, le prisonnier lui dit, ah, les Sioux, d'accord, mais c'est une tribu très noble. J'ai beaucoup lu sur eux, c'est vraiment, ils sont très connus. Et donc, Ernie dit, oui, en effet. Et là, en fait, le prisonnier le regarde et lui dit, alors voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce que tu fais dans mon pays, sous les drapeaux de l'armée qui est venue dans ton pays et qui a essayé d'éradiquer ta culture et ton mode de vie? Et là, en fait, Ernie, il a reçu un choc émotionnel parce qu'il ne s'était jamais vraiment posé la question. Il voulait faire carrière, en fait, dans l'armée. Et donc, là, l'officier donc, américain lui a dit, bon, tu n'es pas obligé de lui répondre, c'est bon, tu as posé ta question maintenant, donc ressort. Il est ressorti. Et en fait, c'est ça qui a provoqué un début d'éveil, où tout d'un coup, en tout cas, il a eu une forte prise de conscience, où il a compris soudain qu'il n'avait rien à faire là, en fait, dans cette armée. Et après ça, très rapidement après, quelques mois après, alors que c'était donc un tout jeune homme, il a quitté l'armée et il est retourné aux États-Unis. Voilà. D'accord. Et alors justement, quel était... Comment ça se passait dans les années 50, donc quand Ernie était enfant, avec les natifs et les Américains blancs, si je peux dire ça comme ça, quelle était la situation? Parce que je crois que les spiritualités, on n'avait pas le droit de faire de spiritualité, c'était même condamnable, je crois. Comment lui, en tant qu'enfant, il a vécu ça? Est-ce qu'il était complètement mis à l'écart, donc dans les réserves? Comment ça se passait? Et puis surtout, comment ça se passe aujourd'hui dans la politique actuelle? Comment les natifs vivent aujourd'hui dans la société américaine? Ok, so there are like two questions. The first one is when you grew up as a child, how were the relationships between young natives or natives and the Americans, and how did you what was it like when you grew up in the 50s and 60s? What was the situation there then? Was it hard to live that? And then the second question would be, how is it today to be a native in America?
You know, when I was growing up in the 50s, you know, we lived on a reservation at home. And we had no TV, we had no computers or nothing. So our mother was our storyteller. My mother was my storyteller. And she told us about our culture. And she always emphasized to me not to ever have fear. Do not be afraid of anything. And she told me about when we were moving to this town, Rapid City, that I was going to be faced with people who's going to not honor or respect me because of this. She said, I said, what's wrong with my hand? She said, nothing. She said, the color of your skin. But she says, do not hate them back, because she says, they don't know, they don't understand who you are. So when we first got to Rapid City, I met other natives from other reservations that came there, their families, to either work or live. And they were basically taught the same thing, to honor, respect all living things. You know, and we always looked at the non-native, the Americans, as people that were all equal with each other as human beings. But we realized that they lived in fear, constant fear. And that's where racism comes from. Racism, envy, jealousy, greed, it all comes from fear. And I could never understand why they didn't like us because of who we are. But we lived through it. Our way of dealing with racism and with this fear was with humor. We would laugh. We would laugh it off. And it never got any better. It just kept getting worse and worse and worse. And right now in this present day, you see it evident. And it spread around the world, is fear. You have to look, nobody can teach it to you. You have to be a teacher to yourself. You have to look at your inner self and realize who you are. And don't look at other people for their skin color or their wealth or anything. Be who you are, because this is how we can work together for the future and not live in the past. Because that's what the first thing we learned in when I came to Rapid City was, the education was, they were teaching us about the past. You're reading out of somebody's, whatever they did in the past, and they try to use that to improve the future. It never happens. You're just reliving the past. So in the Lakota culture, we look to the future. That's how we were. That's how we were taught through stories. You have to always look to the future. The unknown is nothing to fear. The unknown is something to welcome, because you can create a path for the future. I had a phone call, excuse me. Okay. Thank you, Ernie. Alors, du coup, en fait, quand Ernie a grandi dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, quand il était enfant dans les années 50, il avait ni télévision, ni ordinateur, ni rien de tout ça. Et donc, finalement, la personne qui lui racontait des histoires et qui lui expliquait un peu, qui lui donnait des modèles de vie, c'était sa mère. Et sa mère lui racontait beaucoup d'histoires sur sa culture, sur ses ancêtres et sur la spiritualité. La chose la plus importante qu'elle a essayé de lui transmettre, c'était l'idée qu'en fait, il ne fallait jamais avoir peur, qu'il ne fallait jamais avoir peur de rien. Parce que c'était de la peur que naissaient un peu tous les maux de l'humanité. Donc, c'était quelque chose de très important et de central. Juste pour revenir à quelque chose dont Ernie n'a pas parlé, mais dont je peux parler rapidement, c'est qu'en effet, dans les années 50 et 60, la spiritualité Lakota, la spiritualité des autochtones, était interdite et illégale. Et que donc même de faire brûler de la sauge ou de faire des cérémonies, c'était interdit. Sa mère n'avait pas le droit de soigner les gens, alors qu'elle était femme médecine. Elle était obligée de se cacher. Oui. Et voilà. Et donc, il y avait en effet des contrôles. Tout le monde avait le droit d'avoir une liberté de religion, oui. Sauf les premiers peuples de ce pays. C'est quand même intéressant. Donc, voilà. Et en fait, après, quand il a eu à peu près... je ne sais plus exactement quel âge, mais peut-être 8 ou 9 ans, ou peut-être un peu avant, il a quitté la réserve de Pine Ridge et il est parti vivre à Rapid City avec ses parents. Et juste avant de partir à Rapid City, sa mère lui a dit, écoute, il faut que tu saches quand même que quand tu vas arriver là-bas,
peut-être que les gens vont te regarder bizarrement et qui vont qu'ils n'auront pas de respect pour toi à cause de ça. Et elle lui a montré sa main. Donc, il a dit, bah, c'est quoi le problème de ma main? Et elle lui a dit, non, c'est pas ta main le problème, c'est la couleur de ta peau. Et elle lui a dit, par contre, ne les déteste pas. Eux, peut-être, te détesteront, mais c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas qui tu es. Et ne leur rend pas cette détestation. Et quand il est arrivé à Rapid City, il y avait d'autres natifs, d'autres familles natives qui s'étaient installées aussi à Rapid City, particulièrement dans ce quartier-là. Et il avait le sentiment, enfant, qu'ils avaient tous le même socle culturel. C'est-à-dire que on les avait élevés dans le respect du vivant. Donc, le respect aussi bien des animaux, de la nature, l'idée de la connexion et le respect des autres êtres humains aussi. Donc, en fait, ils se voyaient en tout cas comme tous égaux. Et voilà. Et quand il est arrivé et qu'il a rencontré, alors pas quand il était tout petit, enfant, mais après en grandissant, il a en effet observé les petits Américains blancs, les Wasichu, et il avait l'impression qu'il vivait dans la peur et que c'était de cette peur justement que découlait le racisme, la jalousie, les envies, enfin voilà, et le racisme particulièrement très violent. Il avait l'impression que on ne l'aimait pas parce qu'il était natif et ses amis pareil. Il dit que l'arme que eux avaient, c'était l'humour. Et donc voilà, et en fait eux, c'est vraiment, ça fait partie de leur culture, l'humour, en fait. De réussir à faire rire quelqu'un, c'est quelque chose de très important. C'est même un moyen, en fait, de faire comprendre les choses. Si on a réussi à faire rire quelqu'un, on arrive quelque part à ancrer dans sa mémoire l'enseignement qu'on a voulu lui transmettre. Et voilà. Et quant à aujourd'hui, en fait, ça ne s'est jamais, en fait, arrangé, cette histoire de racisme. Si je puis juste ajouter quelque chose, c'est qu'en fait... aux États-Unis, donc il y a quand même ce qu'ils appellent le melting pot, dans chaque ville, il y a un quartier avec des noirs riches, des noirs pauvres, des blancs riches, des blancs pauvres, des portoricains, etc. Tout ça, c'est dans la même ville, et il y a que les Amérindiens et que les natifs qui sont en dehors de la ville. Ils font même pas partie de la ville. Ils sont dans des réserves. Et en fait, donc le racisme ne s'est jamais arrangé, c'est même de pire en pire. Et il dit que de toute façon, ce racisme s'est répandu vraiment dans le monde, et c'est pas simplement envers les natifs qu'il s'exprime. Et voilà, et donc lui, ce qu'il a vraiment voulu aussi faire passer dans ce livre, c'est cette idée de ne jamais céder à la peur. Et c'est la peur vraiment qui va vous contrôler si vous lui cédez. L'idée que tu dois entrer à l'intérieur de toi, que tu dois être ton propre professeur, que les messages et les solutions que tu cherches ne sont pas à l'extérieur. Et il faut vraiment que tu apprennes à comprendre qui tu es, à te regarder, et que c'est que comme ça. C'est si vraiment chacun est son propre professeur, et si chacun fait l'effort de se regarder lui-même, qu'on pourra peut-être être enfin solidaire et essayer de regarder ce futur qui s'annonce et qui est quand même compliqué, hein, quand on regarde l'état de la Terre, et qu'on puisse vivre avec cette solidarité pour essayer de faire quelque chose. Et en fait, pour lui, tel qu'il a, quand il a été à l'école, chez les Blancs, donc chez les Wasichu, il a remarqué que l'éducation était tournée vers le passé, tout le temps. Et que donc, on étudiait des livres écrits par des gens morts la plupart du temps, et que tous les modèles qu'on avait étaient des modèles passés et terminés, et que c'est peut-être pour ça que le passé n'arrête pas de se répéter, et que dans la spiritualité et la manière de voir Lakota, il faut être dans le présent et tourner vers le futur. D'accord. Et c'est comme ça qu'on peut l'accueillir, et qu'on peut faire en sorte qu'il soit peut-être un peu plus... bénéfique et bienveillant que prévu. D'accord. Et alors justement, vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais quels sont les messages que Ernie a souhaité faire passer dans ce message, que ce soit des messages sociétaux, écologiques, qu'est-ce qui est important pour lui de faire passer comme message dans ce livre? So Ernie, she would like to know, what are the main messages that you wanted to share with the world and that you put in that book? I think the main message, like I said, is fear. Mm. Let go of fear, because the world is being controlled by fear. Men would come out and they would scare people into controlling them. And I've seen the purification in a vision. And it was an eye-opening.
event. To me, I welcome it. To 99% of the world, it's going to be a panic attack because they expect that. They were taught, you know, like I was saying in the book and in lectures, my message will anger organized religious leaders, politicians, scientists, historians, and educators, because it goes all against what they're teaching. Because each individual in our culture, we have our own way of looking ahead. We have to let go of the past. Future is the number one, and let go of fear. Because once you let go of fear, you cannot go back. You don't want to go back to it because you don't have racism. You don't have greed. You don't have all this hoarding, this material wealth. What you have is compassion, generosity, humility, and fortitude. These are the basic values in every human being. But fear overrode them. So with us, as a Lakota people, we use humor to get past the fear. So this is my message to the, I'm trying to tell the world. This is what they told me in a ceremony. They said, you have to share this. And, you know, it's I couldn't say no. When it comes from the spirit world, you know, a lot of these guys that I know, medicine men and spiritual leaders, they don't want to be medicine men or spiritual people, but they can't say no. Just like me, I just can't say no. So eventually, I should have did this a long time ago. They told me all these signs that's happening right now, the storms, they told me there's a great sickness coming. I didn't know what this was, but I think it's this pandemic they're talking about now. But I was, as I told you, there's a time when there's going to be a calm where everybody is going to, everything's going to calm down. There's not going to be no hatred. It's going to be for a little brief time. This is, I think, a position, an awakening for the people to realize, hey, if we live this way, we can go toward the future. But at the moment, this is here, and then they're going to unleash the tempters again. And how many people are going to gravitate towards fear? And how many is going to go forward? Then right after that, this purification is going to happen. And I've seen, that's why I don't like to have close friends, because there's nothing you can do to help them when this purification starts. This panic attack is going to be there. So all I can say is, my message is, train yourself to let go of fear and care and nurture every living thing on this planet. That's what the message is. And it's an ongoing message. The book is, the end has no ending. It's going to keep on going. But once you discover that within yourself, you can stand with me shoulder to shoulder and realize that you're preparing for this future, for this great purification that's coming. Yeah. Thank you, Ernie. Donc, oui, pour revenir au grand thème, en effet, il y a quelque chose autour de cette idée de cette peur qu'il va falloir à un moment lâcher. Et ce n'est pas si simple. Le monde nous contrôle. Enfin, voilà, le monde est un peu contrôlé par la peur. Il y a pas mal d'hommes qui essayent de contrôler nos pensées en nous effrayant, et ça marche. Voilà, et du coup, par rapport aux visions qu'il a eues, c'est des visions aussi que partagent les natifs Hopi, c'est vraiment cette histoire de grande purification qui est une espèce de régénération de la Terre, et que lui, il a vu vraiment durant une cérémonie, durant une quête de vision, mais il y a longtemps, où il voyait voilà, comme la Terre qui se régénérait, et avec une espèce d'attaque de panique-attaque des gens qui vivaient ça, et qui du coup tombaient dans la panique et dans l'attaque, alors que juste au contraire, c'est quelque chose, c'est dans des moments comme ça qu'il faut au contraire ne pas sombrer dans la peur. Lui, en fait, il trouve que la grande purification, c'est plutôt quelque chose de positif, même si ça fait des années qu'il prie avec... sa pipe pour la repousser le plus possible. Malgré tout, il n'a pas l'impression forcément que ce soit quelque chose de négatif, que peut-être que ça pourrait faire du bien à la Terre-Mère de se régénérer à un moment, comme elle l'a déjà fait dans le passé, dans, dans, dans,
dans leur spiritualité, ils disent qu'il y a eu, je crois, quatre mondes différents, voilà, et que donc derrière cette purification, il y aurait sans doute un cinquième monde. Donc c'est pas du tout une fin, c'est comme toujours, c'est peut-être un changement de vibration, c'est un changement, voilà, c'est un changement. En tout cas, c'est un changement de quelque chose, ça c'est certain. Donc, ils pensent que dans ces messages, avec l'idée qu'il faut lâcher le passé, qu'il faut pas, par rapport aux valeurs même du mercantilisme, etc., qui va sûrement se mettre à dos aussi bien les politiciens, les professeurs, tout ça, parce que vraiment, il est uniquement tourné vers le futur, vers la spiritualité en action et vers le message des esprits. Ils pensent qu'il faut vraiment lâcher le passé, en fait, et lâcher la peur surtout, et de ne jamais revenir à elle, puisque c'est en fait, c'est comme ça que tu deviens hypnotisé, c'est comme ça que tu es contrôlable à partir du moment où tu as peur. Donc, encore une fois, il nous redonne une des armes possibles, au-delà du fait de se connaître soi-même, c'est de s'éloigner de la peur, ça veut dire de revenir aux vraies valeurs, les valeurs que lui transmettait sa mère et qui sont les valeurs de la vie Lakota, qui sont quatre valeurs, puisque le chiffre 4 est sacré pour les Lakota. Donc, c'est la compassion, la générosité, l'humilité, et la bravoure, le courage. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de la compassion, c'est-à-dire souffrir avec les autres, donc avoir de l'empathie aussi pour eux, la générosité de ne pas accumuler pour soi, de pouvoir partager, l'humilité face au sacré et face au sacré de la vie, entre autres, et du vivant, et de ne pas croire qu'on est les rois du monde, mais qu'on est simplement l'un des frères et sœurs de ce monde du vivant. voilà, et donc le courage, bien sûr, donc de ne pas être atteint, de ne pas être atteint par la peur. Donc les Lakota, pour lutter, pour essayer justement de désamorcer cette peur, leur arme numéro une, encore une fois, c'est l'humour, qui peut être aussi l'humour envers soi-même. En fait, à partir du moment où tout d'un coup on peut commencer à voir les choses avec humour, tout d'un coup la peur ou la terreur peut s'effacer. Ce qu'il explique donc, c'est que les esprits voulaient, parce que lui, ça fait des années en fait qu'il a eu toutes ces, il en a ça sans arrêt tous les jours, puisque chaque matin il fume sa pipe, chaque soir aussi, donc lui il est dans une vie spirituelle quotidienne, mais ça faisait longtemps en fait qu'il avait reçu ces messages, mais au début il voulait pas vraiment en parler, et après il a compris que les esprits voulaient qu'il en parle, et c'est pour ça qu'en fait ce qu'il explique, c'est qu'il en parle, mais c'est pas forcément par choix, c'est plus parce qu'on lui a demandé, et il explique en tout. Voilà. Et ce qu'il nous dit aussi, enfin, qu'il a dit rapidement, mais que je peux essayer de vous expliquer, c'est que dans leur culture, les hommes médecine, les femmes médecine, les holy men, en fait, ils ont été choisis et désignés par les esprits. C'est pas du tout un choix. C'est pas eux qui un jour se disent, tiens, je voudrais bien être homme médecine. Non, en général, ils passent par des épreuves initiatiques où c'est dès l'enfance qu'ils ont des espèces de cauchemars ou de rêves ou de choses. Et en fait, ils savent qu'ils vont devoir faire ça. Mais c'est pas un choix en fait, c'est pas une quête spirituelle justement pour le coup. La spiritualité après vient dans un deuxième temps. D'abord, ils doivent passer l'épreuve, avoir été et c'est un peu une charge quoi, parce que du coup, ils vont devoir se distinguer et servir les esprits qu'ils servent, donc ceux de l'Ouest qui sont les esprits de l'oiseau tonnerre ceux de chaque direction qui vont être des esprits qui vont travailler avec eux pour le peuple, pour les autres en fait, bien entendu. Ils disent que les hommes médecine et les femmes médecine, c'est comme des os creux, un os creux, en fait. C'est comme un canal. Et c'est le grand esprit qui va passer à travers eux pour guérir. Oui, il relie le haut et le bas. Exactement. Et c'est simplement un transmetteur. Ce n'est pas eux qui guérissent, en fait. Ce sont les esprits. Et sinon, dans les signes qu'il avait reçus, donc, dans ces cérémonies, dans les années 90, entre autres, donc, les esprits parlaient déjà à l'époque, durant ces cérémonies, de grandes tempêtes, de grands feux, des éléments, en fait, qui commençaient à se rebeller contre leurs frères, c'est-à-dire nous, les humains, et avaient annoncé aussi cette grande maladie que lui, en tout cas, depuis 2020, relie à cette immense pandémie, bien sûr, de Covid, qui a ravagé un peu, en tout cas, le monde et la manière qu'on a d'habiter ce monde, particulièrement avec voilà, tout ce qu'on a traversé ces derniers temps que je ne vais pas vous rappeler. On le sait suffisamment et ça change tous les jours. Il explique en tout cas que dans les visions qu'il a l'impression que
avant cette grande purification qu'encore une fois lui et d'autres essaient de repousser par leurs prières et par leurs cérémonies, qu'une période de calme, comme un peu, vous savez, juste avant la mort, parfois il y a une période de rémission et de calme magnifique, pourrait arriver, et que c'est ce moment-là, si tout d'un coup on sent qu'il est là, il faut vraiment en profiter pour justement s'éveiller, essayer de se reconnecter à son vrai soi, essayer de se connecter à ses ancêtres, à ses esprits protecteurs, parce que vraiment, c'est dans ce calme-là qu'il faut essayer de développer sa compassion, sa générosité, son humilité, son courage, parce que peut-être que la vague, la vraie vague, véritable, celle de la terre-mère, pourrait arriver derrière, et qu'en fait, c'est simplement quelque chose à traverser. Voilà, de toute façon, nos corps sont des écorces, donc nos esprits, nos consciences, en tout cas dans la spiritualité Lakota, l'idée, c'est que notre esprit, donc bien sur Terre, s'incarne, etc., et après repart dans le monde des esprits, avec nos ancêtres et avec les esprits qu'on a connus dans d'autres vies, et qu'on revient plusieurs fois. Donc l'idée, c'est que même si cette purification arrive, il faut simplement la traverser, quoi, et donc ne pas, et que la peur ne nous retienne pas dans les vibrations qui pourraient être un peu engluantes. Voilà. Ok. Donc on retient les quatre piliers, le courage. La compassion, générosité, humilité. Ok, donc en effet, quatre piliers de vie. Je pense que si on s'applique ça tous les jours, on devrait pouvoir changer un peu peut-être la face. Exactement, c'est intéressant. Et dans ce que disait Ernie par rapport à sa mère particulièrement, c'est qu'elle lui enseignait par l'exemple. Elle ne lui disait pas « il faut être généreux ». Elle lui montrait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai d'ailleurs qu'il y a les récits à la fin du livre que Ernie du coup vous a raconté sur les histoires que sa mère lui racontait. Mm-hmm. Et ça, c'est vrai que c'est super parce que du coup, c'est plein de petites histoires qui font passer des messages. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot peut-être dessus? Okay, so maybe Ernie, she was asking about, you know, at the end of the book, I put some of the stories that your mother told you, like the great... like the creation story or the great race or dogs and cats or, and she wanted, I put it. And she wanted to know, you know, how was your mother when she told you about these stories or, well, if you want to say something about that, well. Well, I only knew my mother for 10 years. So within them 10 years, she shared with me a lot of information, you know, a lot of true stories, the values of the culture, you know. And I don't know if you asked me about the Chinook, I'll tell you a real quick story about that. Is the Chinook is sacred, you know, you have the bowl and you have the stem. And she always told us, because I seen my old grand uncle, he had one of those, a pipe, big one, a Chinook. And I was looking at it, and she told me, she said, you know, she says, when a man gives his whole being to be a carrier of this Chinupa, you know, walk with this, she says he has to understand what this Chinupa is. She says this Chinupa can move worlds. It can do the impossible if you have faith in it. But she says when you connect it, she says, you make it holy. It's a sacred union. And she says, that's the same way with men and women. As you're growing older, she says, when as a male, you find a female and you become attracted. And she says, eventually, she says, you have a sacred union between a man and a woman. And both times, the pipe and the sacred union, when you put the pipe together and a man and a woman, it's a sacred, holy union. She says, you have to be responsible for what you say and do with this pipe and what comes from the sacred union between a man and a woman, which is children. You have to be able to be responsible how to raise this child. Same way with a pipe. When you connect it together, you have to be responsible for the consequences of what you ask for or what you want. So this is one of the basic values that I walked with in my life, you know, is I look around and all these people in this country are going crazy over, you know, abortions and all this stuff. And they have no idea how to
do a sexual education for their children. But this was mine. My mother told me this when I was probably 6, 7 years old. So this is one of the stories that she told me that I don't know if I told you that in the book or not, but yeah. It's just a thought to share, to carry on. Yeah, thank you very much. Donc, en effet, il a connu sa mère que pendant 10 ans, mais pendant 10 ans, elle lui a transmis plus que parfois d'autres personnes auraient pu lui transmettre pendant 30 ans. Et elle partageait tout, en fait, toutes ses valeurs. Elle essayait de les lui transmettre à travers des histoires et à travers, entre autres, les histoires, leurs histoires sacrées, qui ne sont pas des mythologies pour eux, qui sont vraiment des histoires réelles. Donc, elle lui parlait, entre autres, de la chanupa, de la pipe sacrée, avec donc cette histoire du bol et de la tige, et qu'au moment où on les unit, c'est là qu'on la rend sacrée. Son grand-oncle avait une chanupa. En fait, à partir du moment où on devient un porteur de pipe, c'est comme si on dédiait toute sa vie à cet objet sacré. Parce que donc elle lui expliquait que cette pipe pouvait vraiment faire comme des miracles, en fait, qu'elle pouvait créer des choses étonnantes. Si vous lisez le livre, vous pourrez voir quelques exemples, mais que du coup ça donnait une immense responsabilité à celui qui travaillait avec elle. Pour elle, donc, c'était la même chose quand un homme et une femme s'unissaient. Le résultat de cette union sexuelle ou amoureuse peut aller jusqu'au miracle de la vie, c'est-à-dire de donner tout d'un coup un enfant. Et après, bien entendu, il va falloir être responsable de cet enfant. On ne peut pas juste l'abandonner dans un coin, il va falloir s'occuper de lui. Et de la même manière, en fait, à partir du moment où on met le bol et la tige de la pipe ensemble, on va pouvoir prier et demander des choses et atteindre peut-être à des choses qui peuvent paraître miraculeuses. Mais du coup, on est responsable de ces prières et on est responsable de ce qu'on demande. Et le seul moyen d'être, il faut être absolument en accord avec soi-même et en équilibre à partir du moment où on commence à utiliser, à travailler pour ou à servir un objet sacré comme la pipe. Donc lui, il dit qu'en ce moment, voilà, les Américains deviennent fous, ils essayent à nouveau d'interdire l'avortement, tout ça, et il a l'impression qu'ils ont un problème avec aussi leur éducation sexuelle et la manière dont ils expliquent les choses aux jeunes, et que lui, c'est finalement le cours d'éducation sexuelle que sa mère lui a fait, c'était ça, en lui expliquant le parallèle entre le côté sacré de la pipe et la responsabilité qu'on avait une fois qu'on la servait, et finalement le côté sacré de la sexualité. Quelle qu'elle soit, bien sûr, puisque chez les natifs, il y avait une grande ouverture d'esprit quant aux différentes sexualités. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ah, oui. Alors, on a Catherine Trompette du Vert qui pose une petite question, qui demande si sa culture, ses traditions, son peuple sont-elles actuellement en voie de disparition ou au contraire, est-ce qu'elles perdurent dans la société? Oh, OK. So there's another question. And the question is, do you think that your culture, your traditions, your ceremonies are in danger to vanish? Or on the contrary, do you think that they are rising again? Well, I think it depends on each individual who participates and how they believe in their ceremonies, and how they walk with the sacred pipe, and how they understand the songs to the ceremonies. Because every ceremony we do has a song attached to it, songs. And you have to learn these things. See, people don't understand that our culture is not an easy life. People want to be like us, you know, they dress up with headdresses and fancy outfits, and they want to, but it is hard life. Everything we do is not easy. But as I said, we take care of each other with humility, with fortitude, with compassion and generosity. And we use humor. We do not envy each other. We do not are jealous of each other because of our accomplishments. So I think the strength of our culture, our ceremonies, is still with us if people will take it and walk with it in their own way. Nobody is just exactly alike. Everybody's different. My ceremonies are different from the next guy, next guy, next guy. But the point is, we all understand and we all human get humble before Wakantranga. Okay. Yeah, thank you.
Donc en fait, pour lui, cette question dépend vraiment de chaque individu. Il y a quand même vraiment une idée d'individu plus que de peuple ou de tribu, même si la tribu est importante. Dans les tribus, chacun était très libre. Donc pour lui, en fait, ça dépend de comment est-ce qu'on va pouvoir ou non, dans le futur, croire en ces cérémonies, apprendre par exemple les chants, parce que toutes les cérémonies viennent avec un chant sacré. Et le message principal qu'il a envie de dire, peut-être, c'est que beaucoup de gens admirent leur culture et leur cérémonie et leur spiritualité. Parfois même, il y a des gens qui vont mettre des plumes d'Indiens ou des choses comme ça. D'Indiens, d'ailleurs, j'ai dit. Et en fait, voilà, pour eux, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils apprécient parce que pour eux, ce sont des choses qui sont tout à fait sacrées et qui n'ont pas de sens en tant que déguisement. Et voilà. Et alors, est-ce que j'ai répondu à la question ? En tout cas, ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que sa culture, c'est une vie difficile. On peut être nous, comme ça, d'Occident, on peut trouver ça très joli, très sympa. Et en fait, c'est une spiritualité qui est assez demandante et assez rude. Et une fois qu'on est dedans, on ne peut pas faire demi-tour. C'est quelque chose dans lequel il faut s'impliquer. À partir du moment où on commence à passer des espèces d'accords avec ses esprits, on ne peut pas repartir en arrière, vraiment. Et voilà, et après il dit que pour lui, chaque cérémonie, donc chaque, quelque part, les morceaux de cette culture appartiennent à chacun, à chaque personne qui continue à nourrir cette culture et cette cérémonie. Et il dit que ces cérémonies à lui, quand il est chez lui avec sa pipe, vont être un peu différentes de celles de son voisin ou de celles de sa voisine. Le plus important, c'est d'être donc sans peur et d'être fidèle à soi-même. Et d'être humble face au grand mystère. D'accord. Alors, on va peut-être terminer sur une petite question de Fabienne. Alors, je vais l'afficher. Ernie, peut-il parler un petit moment en Lakota pour découvrir et déguster cette magnifique langue ? Oh, so there's a question of someone watching the live asking you if you could talk to us a little bit in Lakota because we never heard it. If you can say something in Lakota for us. Okay, takun omachi omaya shipina takun kun ewak lena chante echata wochichi akapelo chata chante washtea waipre kilena nie wona amalaka men amaya khun kilena daya ayableza pianesh wopila trunkaktelo oh. Thank you. What does that mean? Okay, what I said was, what I'm saying to you comes from my heart. And I'm hoping that what I say from my heart to you, that you'll understand the points that whatever I was saying, that you'll know and take it to heart that you can understand what I said. Like in my book and my stories. Right. Nice, thank you very much. Donc, en gros, ça veut dire ce que je te dis vient de mon cœur et j'espère dans mon âme et dans mon cœur que tu pourras recevoir ce que je t'ai dit dans ton cœur et le comprendre. Et en gros, c'est ça qu'il a essayé de faire dans ce livre. C'est vraiment de parler du fond de son cœur en étant vraiment très sincère et en parlant voilà, sans masque. Et il espère que les lecteurs pourront recevoir ces messages dans leur cœur. Super, et ben c'est un beau message de fin. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation. Donc, je le répète, vous pouvez trouver le livre Sun Dancer dans tous les points de vente habituels. Bon, évidemment, essayez de privilégier les petites librairies, c'est toujours mieux que les grosses plateformes. Voilà, il est encore temps de le glisser sous le sapin de Noël. Donc, écoutez, n'hésitez pas si vous voulez découvrir vraiment un beau récit de vie et puis les enseignements par les visions d'Ernie Lapointe. Voilà. Eh ben, écoutez, merci, un grand merci, Ernie. Ernie, thank you so much for your participation. It was interesting. Claire, merci beaucoup aussi d'avoir traduit. Et puis, merci d'avoir été présente aussi. Merci à vous, Camille, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Thank you.
Thank you, Ernie. Bye bye. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau Trade Daniel Live au mois de janvier. Voilà, courant janvier, on se retrouvera. N'hésitez pas à vous brancher sur Instagram et Facebook des pages Trade Daniel pour ne rien louper des prochains Trade Daniel Live. Et puis, un grand merci pour tous les petits messages que vous nous avez envoyés et toutes les questions. Alors, je n'ai pas cité tout le monde, mais en tout cas, à chaque fois, on y répondait dans ce qu'on disait. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour la participation de tout le monde et puis pour toutes les questions. Vous avez été hyper interactifs ce soir, donc c'est vraiment génial. Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis je vous dis à très vite. Et encore merci Claire et Ernie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bye. Thank you. Bye.